Hey, hey, hey! Salut les petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decades Challenge. Il s'est passé quoi? Pourquoi il y a autant de monde encore debout? Pourquoi Arthur est dans la salle de bain de ses parents? Oh là là, oui, Pierre-Nard! Mange ça, mon Pierre-Nard, et elle va dormir. Et là, tu commences. Ouais. Hein? Ça faisait longtemps que t'avais pas trempé le biscuit. Et ça fait mal. Ça a fait mal. Les tuyaux étaient bouchés. Et ça n'a pas plu. Ni à toi, ni à Joséphine. Ah non, elle a déjà oublié. Voilà. Alors. Ah ben non, mais alors ça va pas être possible, hein. Dis donc. C'est ici, Louise, qu'il faut dormir. Commencez pas avec vos lits, parce que ça va me gonfler. Je le sens très fort. Elle est déjà debout. On est jeudi, 4h du matin. Bah, tu peux ranger le jeu. Il pleut, pour changer, hein, vous voyez. On est quoi? On est toujours en automne, 12 jours, 12 sur 14, d'accord. C'est ma petite Louise, tu as ton petit garçon, il faudra s'en occuper, donc bon, voilà quoi. Toi, tu vas manger et tu vas aux toilettes. Toi, tu vas aux toilettes, manger et te divertir. Voilà, hein. Et Albert? Ouais, bah écoute, tu fais ce que tu veux. Se réchauffer. Ah, il fait froid! Il fait froid! Et du coup, on va pouvoir se réchauffer avec la cheminée. Enfin, elle est utile, cette cheminée. Voilà, ça va être bien. Hein, Germaine? Ah oui. Germaine a grandi dans combien de temps, Germaine? Dans 4 jours et elle sera adolescente. Et ça, c'est cool. Elle est assez. Par contre, elle est pas hyper. Hein? Ah lui, il n'a que niveau 2, hein, il peut pas avoir une meilleure note. Physiologie? Ah ben oui, mais non, alors hein. Il n'y a pas tout ça que je vais te faire apprendre, moi, mon petit. Qu'est-ce qu'on pourrait te faire apprendre? C'est quoi tes traits déjà? Adore la nature, machin. Eh, on pourrait te faire du jardinage. Tu pourrais faire du jardinage. Ou pas, il n'y a rien à faire. Ouais. Notre linge, il est toujours en train de goûter. Il pleut comme d'habitude, dans tout le temps dans mes jeux. Moi, il pleut. Mais bon, hein, on va rien dire. Ouais, toi, tu manges. Qu'est-ce que c'est? Ah! C'est la fête des récoltes. C'est la fête des récoltes. Albert, tu me planques ton truc tout de suite. Tu vas manger aussi. Ah, il est 6h du matin, vous allez après. Oh! C'est la mort ce truc! Oh! Quelle horreur! Regardez-moi ça un peu. Avec ses yeux là. Oh, ça va pas me plaire ça. Hein? Je tiens à vous dire que ça va pas me plaire. Ah! Ah non, 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 j'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça, les enfants. Je. Non. J'ai pas vraiment fait. La fête des récoltes et ça me. Je. Voilà, j'aime pas trop les gnomes, les machins, et en plus je sais pas ce qu'ils font. Voilà quoi, j'ai envie de dire. Et Lucien, il est plutôt calme, hein, le petit. Pour l'instant, en tout cas. Bon, il a que quelques heures en même temps, mais bon. Quelques heures pour nous gueuler dans les oreilles, c'est très souvent le cas pour les enfants. Ça va, mon petit Gustave? Eh ben, t'es bien, t'es ouais. Est-ce que tu as fait tes devoirs? Tu vas en faire du travail supplémentaire? Arthur? Aussi. Albert? Aussi. Albert? Oh, Albert devient adulte aujourd'hui. Et on lui a pas trouvé de chéri. Si, il me semble. Je sais plus si on lui avait trouvé une chérie. Bon, il n'y a personne. Alors, on a le choix entre Juliette, Élise, Marguerite. Quoique, Marguerite, elle est plutôt pas mal. Hein. Moi, je l'aime bien. Bon, Eugénie, elle n'a pas de cheveux, donc ça compte pas trop. Et Amandine. Oui, bah alors, les Garnier dans la famille, bah, non, on va. Il peut pas discuter avec elle de toute façon. Il n'y a pas de téléphone, mais on l'invitera pour le dîner, vu qu'il va grandir aujourd'hui. On va avoir plein de choses à faire. Comme ça, ce sera plutôt pas mal.
Mais voilà, le petit Lucien s'est réveillé. Ouais, bah. Tu dois l'élever maintenant, Louise. Voilà. Soso Nobu. Ah non, on regarde pas. On regarde pas les boops de notre jolie Louise. Ça ne se fait point. Après, tu peux lui parler, tu retourneras te coucher parce que bon, t'es encore un peu fatigué. Enfin, pas fatigué, mais tu peux finir ta nuit encore. Ah non, il a la couche. Donc il va gueuler de plus fort encore. Ah bah voilà! Niveau 3, éducation pour Louise. Allez, change la couche. Comme ça, on est tranquille après. Un moisebou! Voilà, on a la paix. Tu peux retourner te coucher, ma belle. Albert, il fait ses devoirs, tout ça. Niveau 5, la créativité. Toi, ma petite. On va manger. Oh, mais Pierre-Nard, tu nous as cassé ton toilette. Mais tu répares, hein, dis donc. Puis quoi encore? Joséphine, elle se lève quand, elle? La feignasse, là, va faire à bouffer pour tes hommes, pour ta famille. Prends le petit déjeuner. Allez, du pain perdu. Voilà, elle est repartie se coucher, les gosses y vont. Ah ben non, c'est férié, c'est ça l'histoire? Attendez. C'est jour férié. Ah oui, donc ils travaillent pas. Ah, et Lucien grandit déjà demain, mais c'est génial! C'est génial, ben, c'est très bien, écoutez, moi, qu'est-ce que j'en ai à dire, hein? Va te non, toi, tu. Ouais, bah, va te réchauffer si t'as froid, t'as raison. Ah ouais, donc ils vont pas à l'école. Je les ai pressés. Ah, mais par contre, qu'est-ce qu'ils foutent tout cela à côté de mon frigo? Ça va, bah, non? Calmer nos gnomes, contempler, chanter ensemble. Non. Gnome, d'accord. Ouais, je sais pas moi, vous pouvez vous barrer de là aussi? Chanter ensemble. Est-ce qu'il peut faire un truc, lui? Admirer le nous. Oh, tu veux admirer les gnomes, tiens. Ça te fera du bien, peut-être au moral, j'en sais rien. Tu te fous de ma gueule, Joséphine? T'as pas fait. Ah mince, j'ai fait. C'est pour ça que ça me semblait pas très cher. Non, non, mais voilà, tu. Tu vas. Pourquoi ils sont tous autour du frigo? Bref, je lui ai demandé de faire un. Mais elle a fait que son petit déj, j'ai pas pour les autres, donc elle est reloupe. On le fait. Embrasser. Tiens, Pierre-Nard, viens manger là. Bon, bah alors, du coup, on va inviter. Tac, Marguerite est toujours une ado. Invité sur le terrain actuel. Voilà! On a le temps. C'est pas, il n'y a pas d'école aujourd'hui. On va inviter notre futur. C'est qui ça? Paul Allen de la Fortune avec ses oreilles de chat. Alors, mon petit, tu vas te refaire une beauté. Voilà! Comme ça, c'est fait. Il sera tout beau. Court quand sa copine viendra. Oh non, ils se connaissent vraiment pas. Tu vas pas commencer à la draguer, sinon ce serait compliqué. T'as déjà des idées? Si vous avez son intérêt. Oh, regardez. Elle est mignonne quand même, hein? Ce serait un beau petit mélange encore. Chacun son tour. Ah, qu'est-ce qu'il y a, toi? Il paraît que le cidre. Bah non, Julien. Oh, tu vas te réveiller, va pisser, va manger parce que là ça va plus, ma belle. Alors, discuter avec Marguerite, oui. Une histoire délicieuse. Faut que tu apprennes à la connaître, s'extaser sur les sonates de piano. Oh, punaise, mais tu peux pas faire grand-chose au final, hein. T'as fait à bouffer, toi? Ouais, c'est bon. Oh, il est putain amoureux. Ils sont partis où? C'est cassé. Changé. C'est pas très grave après tout, hein. Est-ce qu'ils seraient pas montés les. Ah si, ils sont dans la chambre.
Calmer le gnome. Donner un jouet, donner de la tarte, donner du café, donner du cake aux fruits. Donner de la salade. Il est vert. On va donner de la salade. Calmer le gnome. Un jouet, il est rose. J'en sais rien. Un chaud pif. Hein. Oh, pardon. Et du café pour lui parce qu'il est couleur café. Je pense que ça va être une catastrophe internationale, mais allons-y, allons-y, quoi. Oups, non. Oh, yes. Implorer le pardon. Arthur, il se tape la sieste, tranquille. Ok! J'ai fait que des mauvais choix, mais en même temps, hein, comment je peux imaginer? Et toi, ça va pas aller non plus, je le sens. Ok, et ben c'est pas grave, on va implorer le pardon tout le temps. T'inquiète pas, Josué. On pensait ça. Tu étais vert et on disait, on s'est dit que t'aimais bien la salade verte, quoi. Bahira. Oh, Zaffle. Mais je suis désolée, mais je m'y attendais tellement pas là. Je vous allez encore me gueuler dessus parce que j'ai crié, mais oh ma fucking god, quoi. Non, 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 non! Oui, bah. Oh my god! Mais pourquoi? Chanter ensemble. Maisie. Oh. Pardon? Implorer pardon. Vas-y, tu redemandes le pardon, je sais pas. Elle va se faire. Elle peut mourir ou quoi? Mais c'est pas possible! Moi, tu iras après te faire à tes occupations. Là, c'est pas possible, Bernard! Oh my god! Mais pourquoi? Non, j'ai peur qu'il meure, lui. Hein. Toi, t'es enjôleur. Gustave, viens. Et toi aussi. T'es où toi? Tu fais des bonnes. Elle est où ta meuf là? Ta future est là. Faudrait pas perdre de vue l'objectif du jour. On case notre petit Albert. Illumine la journée. Nous, on va être amical. On va se renseigner sur la carrière, sait-on jamais. Illumine la journée. Chanter la chanson du jour férié. Ouais, ok, c'est déjà ça. Elle, à part le fait qu'elle monte se faire électrocuter par tous les gnomes de la... Oh putain. Ah! Gustave n'a pas été électrocuté. Oh putain, je vous le jure, ça, je m'y attends des pots. Je sais pas trop c'est quoi l'intérêt du truc, mais bon, alors, elle va le faire. Mais en plus, c'est une petite fille, on va pas électrocuter une fille pour un avion. Ok. Oui! Super! Super! Bon, après, tu vas te laver et pisser. Elle est snob, la Marguerite! Oh, bah, c'est pas cool, hein. Unke Flouf? Tu peux apprendre à faire connaissance, tout ça. Conversation profonde. Complimenter la tenue. Allez, Albert, rien n'est grave. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ah, parce qu'il a vu sa mère dans la baignoire, d'accord. Arthur, arrête de mettre les pieds dans le berceau. Tu seras sympa. Mais je sais pas, moi, fais ta life, mais va pas dans le berceau. Laisse le petit Lucien tranquille, c'est pas possible cette histoire. Au secours, il y a les gnomes qui sont vers notre jardin. Tu vas venir entretenir le jardin. Tu vas faire une super aventure. De toute façon, il n'y a pas grand chose à faire. On le sait, à chaque fois que tu vas dans le jardin, Pierre-Nard, tu nous dis qu'il n'y a rien à faire. Tu vas mettre le. Intimide, de toute façon, elles sont furieuses comme d'habitude.
et tu vas nouer des liens avec elle. Aucune plante n'a besoin d'être entretenue. Allez les pépettes, il dit. Ben voilà les pépettes. Elles arrivent. Tac, 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 tac. Les abeilles. Avant qu'ils se fassent piquer. Oui, elles sont agacées, voilà, elles sont quand même beaucoup plus calmes. Et puis, ruche pleine, récolter le miel. Voilà. Moi, c'est toujours ça pris. Tu retires aux toilettes, mon petit. Louise, elle fait un petit bain tranquillou, là, avec son petit masque et tout. Joséphine, qu'est-ce qu'elle fait? Joséphine, reste pas sous la flotte, hein, quand même, ce serait dommage. Je sais pas, tu peux préparer un grand repas. Adore cette tradition, c'est quoi? Décorer. Ah, décorer. Ben oui, mais on n'a pas, nous. Comment dire? Si, on a des trucs pour décorer? Ah ben c'est là. Ben parfait. Bon, on va mettre... Comment je vais faire? Je vais faire ça. Déjà, je vais enlever la grille, parce que c'est moche. On va en mettre un peu... ouais. La corne d'abondance, par exemple. Où est-ce qu'on pourrait la mettre? Ah, ben on n'a pas de place, c'est trop gros. Mettre par terre? On s'en fout, après tout, hein. Voilà. Motif festif, voilà, super. On va faire ça. J'en sais rien, moi. C'est plus du truc de Noël, ça, hein, c'est pas... Alors qu'on n'est pas à Noël. Objet du jour férié. Qu'est-ce que ça a à foutre, Mais non, mais là, c'est... Ah, on voit qu'il est joli, celui-là. Je comprends pas l'intérêt, en fait, mais bon. Ah, branche d'automne. Ok, on va faire ça. On va mettre ça sur la table. Voilà. Comme ça, c'est fait. On va mettre des petites loupiottes. Quelle couleur? Couleur d'automne, hein. Ça. Voilà, super. Franchement, j'en sais rien, donc je vais mettre ça comme ça. Et là aussi. Voilà. Les loupiottes ici aussi. Voilà, ça vous va ou pas pour les décorations, là, les Sims? Ouais, c'est très mignon, mais c'est pour Noël, hein, c'est pas pour Thanksgiving, là. Ah, si, il y a des citrouilles ici. Ouais, quoi, il faut les mettre à un endroit précis. On va mettre ça là. On va y mettre les autres là. Voilà, on a décoré. Est-ce que ça vous va? Bah, ça va bien. Oui, c'est bon. Ok, parfait. Et Joséphine, tu vas préparer un grand repas. Hop. Du dîner avec du jambon. Préparer un grand repas. C'est que du... Il y a un grand petit déjeuner, voilà. On va faire ce qu'il faut. Toi, tu vas mettre... Tu vas débarrasser, tu vas mettre la table joliment. Mettre la table avec... table de fête Bordeaux. Albert! Albert. Faut attaquer, là. Faut attaquer. Tu lui dis que... ben, voilà. Qu'elle est belle, machin, et truc, machin. Voilà. Allez. Tu vas complimenter son apparence. Faut attaquer Albert, faut pas la laisser fuir celle-là. Puis ça changera un peu de roux et de la maison, hein, une brune et un blond. Voilà. Comme ça, on n'aura pas de roux, c'est sûr, dans la famille. Allez! Attaque! Non, 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 on se barre pas, dis donc, tu vas la choper. Oh, pff.
flirter. Enlacer. Allez, 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 être reconnaissant. Bah oui. T'imagines, t'auras une nana aujourd'hui et tu veux poser une réflexion. Ah, je croyais qu'elle partait, mais non. Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle monte? Oh, je crois qu'elle va dans ta chambre. C'est tout bénef, mon petit. Je crois qu'elle va venir écouter de la musique dans ta chambre. Waouh, elle devient adulte aussi! Non, mais. Il y a combien de chances, quoi? Bon, ben, il peut plus la draguer. Il peut plus la draguer. C'est quand tu veux, Albert? Vraiment? Je crois qu'il. Ça y est. Bah ouais, mais non, voilà. Donc, en gros, il faut qu'il grandisse et puis il pourra la. Pourra lui faire des trucs. Ah putain, c'est chiant ça, c'est joué à pas, pas beaucoup, hein. Partager des idées. La journée. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Ils vont quand même être très amis, et puis de toute façon, il va grandir lui, et puis ça sera tac-tac tout de suite comme ça. En couple et tout ça, hein. Et en couple, mariage et bébé. Chubené, yaba. Je pense que Gustave les regarde en disant ouais, on vous voit, hein. On n'est pas con, hein. On sait ce que vous faites, hein. Voilà. Ouh, 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 Albert clignote. Mais Albert, il va pas bien. Arrêtez de faire des choses qui n'existent pas dans votre dimension. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de nettoyer. Ok. Très bien, Albert, on va procéder par étapes. Tu vas venir ici. Tu vas aller aux toilettes. On est bien. Tu vas déjà aller aux toilettes. Et pour manger tout, on va faire un dîner. Donc, tu vas. Non, tu vas. Tu vas jouer un concerto? Voilà, je pense qu'on est bien comme ça. Ta copine, elle est là. Oh non, elle est folle. Mais ils ont quoi, faire la lessive chez les autres gens? Vous imaginez, vous allez chez quelqu'un et vous décidez de faire la lessive? Non mais, on n'est pas bien, ils sont pas bien, les Sims. Ça sert à rien en plus qu'elle fasse la lessive parce que c'est même pas. C'est pas réparé d'ailleurs, ça va réparer là. Et là c'est pas sec donc on peut pas mettre. Bon. C'est un peu du nawak quand même, hein. Je dis ça, je dis rien. Et puis ensuite on va. Alors non, tu vas pas jouer, on va t'inviter à dîner. Pour le grand repas, on va inviter du monde. On va faire un grand dîner. Oh. Gratitude. Elle adore cette. D'accord. Bon, on va inviter de toute façon les Garnier, je pense. Ça, ce sera fait. C'est parti pour le dîner des Thanksgiving. Ouais, du coup, il n'y a pas de. On n'a pas d'objectif. Hein. Ok, bah, c'est très bien. On va pouvoir faire à notre sauce. Nyark! Oui, parce que. Pourquoi j'ai les murs qui m'emmerdent comme ça? Ah oui, parce que je suis de ce côté-là. Ok. Et Jojo, tu vas nous faire un petit gâteau en plus. Puisque, comme Albert grandit, on va avoir un dessert, un bon gros dessert comme il se doit. Voilà. Tac. Albert, qu'est-ce qui se passe? Amandine. Ouais, et bah tant pis, c'est pas toi qu'on aura sélectionné. On change un peu là. De famille. Et en fait, ça m'énerve cette porte et tout là que je vois tout le temps. Ça me. Est-ce que ça te remonte le moral, toi? Un petit peu. Hein. T'as surtout faim et t'es fatigué. Hein. Voilà, la salle des artistes entre Albert qui joue du piano et Louise qui peint. Et deux autres frérots là, ils savent pas quoi faire de leur vie. Est-ce qu'on peut les caser avec d'autres nanas? Avec Joseph? Non, bah non. Élise, Élise est déjà jeune adulte. Lucas, bah non. Il y en a qui ont ces sérieux problèmes de cheveux. Il n'y a pas trop. Pour l'instant, ils connaissent pas trop de nana. Donc je pense que je vais quand même devoir caser. Ouais. Charlotte, Martin. Bon, il y a moyen. Pour l'instant, on n'y est pas encore sur pour Gustave. On a encore quelques jours devant nous. 10 jours. Arthur, c'est dans 3 jours. Ouais, et Albert, c'est maintenant, quoi. Et elle, bah, c'est dans 4. Ouais, vite. Ça va être très vite, tout ça. Ouais, ils ont faim, je sais. Tu vas être amicale, chanter la chanson de jour férié. Tu vas être reconnaissante. Toi aussi, tu vas être reconnaissant. Voilà, tout le monde va être reconnaissant.
de la journée. Voilà. Comme ça, au moins, tout le monde s'éclate. Il joue trop bien, Albert. C'est un truc de fou, hein. Voilà. Alors, si j'arrive à me diriger entre les... Ouais. Après, je sais que je n'ai qu'à faire ça, hein. Ah oui, c'est Jojo. Oh là là, la musique, elle me gueule dans les oreilles, mais quelque chose, hein. Oh le bordel! Bon, ils sont arrivés les. Oui, ils sont arrivés! Oh là là, c'est quoi ces fringues? Par contre, Julien, t'aurais pu attendre. Oh, le bâtard, il a tapé dans le gâteau de. Ah! Joséphine, tu vas redevoir faire un gâteau au chocolat parce que notre super gendre a décidé. Putain, mais sérieux, ils se sont tous servis à bouffer, les bâtards! Mais non, quoi! Un chef-d'œuvre pour Louise? Mais non, j'y crois pas. En plus, il est moche, ton tableau. Ouah! 2290! Elle pèse dans le game, hein, ça y est. Hein. Le petit Lucien, ça va, il pleure pas, parce que comme il est à l'étage, on l'entend pas trop. Tu vas aller aux toilettes et tu vas nous refaire une toile, ma belle. Ah non, tu vas aller discuter avec ton mari. Par contre, ouais, aux toilettes, bien sûr, là-haut, c'est logique. Amour, embrasser. Mais putain, d'invité de mes couilles! Ah non, hein. Allez, tu vas vite appeler à table. Oh là là, ça y est. Annoncer le grand repas pour toi. Ah non, mais arrête, prends pas le gâteau. Oh, c'est mignon. C'est avec... Non, mais je trouve qu'ils ont tout gâché, nos invités, parce que j'avais fait la table et tout, là. C'est le bordel, quoi. Je suis déçue. Ils me déçoivent, les Garniers. Voilà, comme ça, au moins. Le gâteau, le gâteau, le gâteau, le gâteau. Je ne... Hop. Les bougies d'anniversaire pour Albert, pour Albert. Les bougies d'anniversaire pour Albert, ça va le faire. Voilà. Sinon, tu peux discuter aussi avec... comment... Je sais plus, moi, comment c'est la mère de ton gendre. Je sais plus. J'avoue. On peut pas être reconnaissante. Si, ouais. Allez, ça c'est fait. Toi aussi, tu vas être reconnaissante. Embrasser. Tu vas embrasser ton mec, non? Oh, il est à fond, lui. Hein. Ah, c'est la fête. Hein, il est content. Oh, il est content. Julien est content. Être reconnaissante. Sur l'histoire des gnomes, là, c'est quoi? Gnome des fêtes. Oh, c'est trop chouchou. Voilà. Ouais, pour l'instant, ils peuvent pas. Pendant que Jojo nous tape la chansonnette. Pierre, Marthe, t'es où? Tu peux... Ouais, vas-y. Ils sont ceux des bisous derrière, là. C'est bien, c'est parfait. Merci d'être là. Ah, tu chantes bien, Louise, dis donc. C'est bientôt l'anniversaire de Juju. Oh, je suis mignon. Albert. C'est bon, Albert, il mange. Albert, il va pouvoir aller se coucher après parce que... Mais non, Albert, il grandit avant. Bon, bah, ils réalisent tous des trucs dans leur coin, là. Gustave, tout ça. La petite aussi? Non, tu laisses le petit Lucien. Tiens, tu vas faire le ménage. Tranquille, le petit Lucien, c'est sa mère qui va s'en occuper. Ou son père, si besoin. Toi, tu vas le nourrir, le bercer.
Espérant que personne n'y aille, parce que sinon ça va annuler tout. Non, mais toi, t'y vas pas. Voilà. Il n'y a que Louise qui y va. Vous, je vais vous occuper à deux, s'il faut, hein. Vous allez... Voilà. Une chanson de jour férié. New Yap for night? Baba Day, each goangi. Maisie Grove, Craybound. Ah, c'est Pierre-Nard qui chante maintenant. Maisie Grove, Craybound. Avec sa vieille voix rauque. Quaba Vims Ziffon. Non! Non, Arthur. Ouh, va dormir, toi. Casse ses pieds. Ok. Arthur! Oh putain, ils sont revenus tous ici, là. Chanter ensemble. Alors, attendez. Chanter ensemble. Schmir, 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 schmurt. Avec elle, tiens. Là, ça va vous occuper 5 minutes. On a récolté plein de machins de graines, là. C'est bien. Oh, 100 boules! Ah oui. Bon, arrête de manger. Oh non, tu veux pas être... Non, non, tu... Non. Tu rentres dans aucune phase, mon petit. Ah merde, ils sont en train de chanter. Wish baby be the number lie. Wish baby be the number lie. Tu vas souffler tes bougies. Et comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Mais pourquoi t'es parti te coucher, Bernard? T'as des invités! Oh là 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 là. Ouais! Albert, un vieil bien élevé et responsable. On est bien. Alors lui, il a eu que des super points de machin. Ah oui! Attendez, avant que je dise des conneries. Comme il devient jeune adulte et que c'est un homme, je n'ai pas le choix du trait. Et oui, parce que... Alors oui, d'ailleurs, les règles que Ina a faites pour ce challenge ont légèrement changé. Et je vais vous les lire rapidement, je vais vous faire un récap et on va passer au nouveau trait de Albert. Donc, Première Guerre mondiale, pour le trait de vos enfants hommes qui pendant cette décennie deviendront jeunes adultes. C'est notre cas maintenant. Vous devrez procéder à un lancer de dés qui déterminera quel traumatisme ils auront entre gloutons sans chaud, maladroits, fous, moroses et méchants. Et après, c'est d'autres choses. Après, il y aura la guerre qui va pas tarder malheureusement. Donc j'ai une appli qui fait le lancer de dés sur mon téléphone. Voilà, D. Alors voilà, ça c'est le petit bruit qui me dit que comme il vient de se lancer l'application, ça me dit 4. Mais je préfère le relancer une deuxième fois pour savoir, pour avoir un vrai lancer quoi. Attention, hop, 6. Eh ben, il sera méchant. Ah non. Mais Albert, il peut pas être méchant. Il est adorable, Albert. Oh, je suis déçue. Bon, ben voilà, hein, on n'a pas le choix. Et puis en plus, on le voit plus. Voilà. Albert est adulte. Dis donc, ta meuf, elle est où? Vas-y, appelle-la. Invite-la. Invite-la. Invite-la et on va passer aux choses sérieuses. Enfin, je crois que minuit 30, elle va pas venir, mais bon. Mais bon, hein, c'est pas bien grave. Tu vas être couchée. Marguerite dort. Bon, bah, c'est pas grave, ce sera pour l'épisode prochain, évidemment. On fera les choses qui avanceront, les choses avanceront avec notre petite Marguerite. Faire crac-crac avec Julien. Oui, je suis d'accord. Vas-y, Louise, fais-toi plaisir. Et après, on va terminer notre dîner, puisque là. Ouais, mais. Joséphine, tu manges ou tu manges pas? C'est quoi ton délire? Ah bah non, bah, il est tombé. Voilà, boum, allez. Pierre-Nard, il remange, mais Pierre-Nard, t'as pas besoin de remanger, hein. Ouais, bon, bref, fais ce que tu veux. Louise, elle va faire crac-crac avec son mari. Joséphine, elle va enfin manger un truc après, elle ira aux toilettes. Gustave, oui, mais alors franchement, va te coucher. Arthur, tu vas aux toilettes et va te coucher. Elle, mais pas besoin de manger, va te coucher aussi. Voilà, bon, bah, ça aurait été un petit dîner, mais il va bientôt se terminer, donc un petit dîner avec les gnomes.
Bon, j'aurais pas forcément très interagi avec les gnomes parce que bon, c'est pas trop de l'époque des Kates. Donc bon, c'est un peu fantastique. Je sais pas trop à quoi ils servent en fait. Allez, Louise. Ouh. Oh, oh, oh. Bon, bah c'est cool. Pierre-Nard, tu te laves les mains, t'iras te coucher après. C'est bien, c'est son bon lit. Albert. Albert, je crois que. Qu'est-ce que tu fous, Albert? Mais va te coucher. Swinkey, Serif. Mais qu'est-ce que tu fais? Viens là. Allez, viens ici. Voilà. Après, tu viens jusque dans ta chambre. Tu vas voir, c'est pas compliqué, on va y arriver. Et après, tu fais dormir. Donc, ma petite Louise, finalement, t'auras à peine le temps de. Qu'il faudra que tu t'occupes de ton fils. Hein. Joséphine, tu vas aussi te coucher après. Voilà, jour des fériés était une réussite, 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 réussite. Je vais mal, écoute. Bon, ça veut dire qu'ils n'ont pas forcément tout bien fait. Allez, va dormir. De toute façon, le dîner est fini. Non, pas toi, c'est elle que je voulais dire. Allez, au dodo. Ouais. Toi, il va dormir. Toi, mais arrête et va te coucher aussi. Va dormir. Voilà. Bon, Joséphine, arrête de bouffer en secrète dans la salle de bain, là, on t'a vu. Après, elle va s'étonner d'avoir pris du poids. Non, mais quand même. Bon, notre belle Louise est partie dormir. Jojo, elle va le faire aussi. Julien s'en va après avoir tiré son coup. Attends, avant de. Tu peux ranger tout ça? Ouais, je sais, je pourrais le faire moi-même, mais j'ai la flemme et elle a qu'à le faire elle aussi, quoi, merde. Je suis pas sa boniche, moi, hein? C'est le truc horrible. C'est elle qui est ma boniche, c'est pas moi qui suis sa boniche. Et on va éteindre la radio qui est toujours allumée. Hop! Oh! Tout la. Oh là 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 là, il va y avoir un de ces massacres au niveau du des assiettes et tout, ça va puer pour le lendemain, mais bon. Allez, Jojo! Allez, Jojo! Voilà. Tu vas voir, tu vas y arriver. T'es la meilleure. Jojo, the best one. Mais qu'est-ce qu'elle est lente! Ah, vas-y, tu m'énerves. Dégage. C'est bon, je vais le faire. Ouais, maintenant, si je mets pas sur play, j'aurais du mal à le faire aussi. Ah, et ben voilà, c'est pourri. Allez! Tellement la lenteur extrême, cette meuf. Ouah, je vous jure. Bon, et ben ce sera la fin pour cet épisode. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous donne rendez-vous pour l'épisode prochain. Il se passera sûrement des choses intéressantes. Allez, je vous embrasse. Salut!